Quel conseil? Moi, j'aurais envie de dire faire comme vous faites déjà ce type de séminaire, c'est-à-dire essayer en fait de trouver des lieux d'échange où on puisse rassembler des personnes qui viennent de divers horizons dans cette idée, essayer de comprendre qu'il y a plusieurs perspectives et dans cette idée spinoziste que les perspectives, elles vont pas s'opposer les unes aux autres, mais elles vont se concilier, se mettre ensemble pour donner quelque chose de plus intéressant derrière. Et si je me réfère à ma propre expérience de doctorante il y a quelques années, je dirais ne pas hésiter à tenter des choses, à expérimenter des choses sur le terrain. Essayer des formes nouvelles, essayer de proposer des expérimentations là où on est, pas en se disant qu'on va changer le monde en un seul jour, mais en se disant qu'on va tester des idées sur le terrain. Et qu'on va essayer de voir ce qu'elles peuvent donner. Et que derrière, du coup, peut-être qu'on va essaimer quelques idées qui vont être appropriées, qui vont donner autre chose, qui vont donner des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais en tout cas, le lien, je trouve, entre le fait de penser la compassion et d'essayer de voir comment concrètement on pourrait faire passer quelques actions concrètes, ça me semble assez intéressant pendant la thèse.